Admiral Connect, votre propre assistant MT5. Tout savoir sur l'IA Admiral Connect MT5. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Admiral Connect. Dans cette vidéo, vous allez découvrir en quoi l'Expert Advisor Admiral Connect est-il l'assistant au trading dont vous avez besoin. Un bref aperçu tout d'abord. Nous allons voir dans cette vidéo que l'Expert Advisor Admiral Connect nous fournit des analyses trading forex gratuites totalement personnalisables, que ce soit des analyses techniques Euro-USD ou encore des analyses fondamentales forex. Admiral Connect fournit notamment un calendrier économique personnalisable avec alerte gratuite. Vous avez aussi des analyses poussées sur votre compte de trading MT5. L'Expert Advisor vous donne aussi des opportunités de trading selon votre profil. Enfin, vous avez un résumé des marchés financiers avant chaque ouverture de bourse, ainsi qu'une vue globale des symboles disponibles à trader sur MT5 avec Admiral Markets. Alors voyons ensemble une illustration directement sur la plateforme de trading MT5 avec Admiral Markets. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading MT5 Admiral Markets et nous allons voir déjà comment installer cet Expert Advisor sur votre plateforme de trading. Donc pour ce faire, nous nous rendons ici donc dans le raccourci qui nous permet de montrer ou de cacher le navigateur et on va aller directement dans la partie Expert Consultant. Vous retrouvez ici Admiral Connect. On va tirer tout simplement cet Expert Advisor sur notre graphique et on va avoir ici cette fenêtre qui s'ouvre. On va vérifier que toutes les cases sont bien cochées et on va tout simplement cliquer OK. Alors il faut savoir que cette fenêtre, donc d'Admiral Connect va venir remplacer directement la fenêtre du symbole sur lequel vous vous trouviez. Donc ici, on se trouvait sur l'euro USD. On va se retrouver maintenant directement donc sur notre outil Admiral Connect à la place de ce graphique. Donc nous pouvons ici maintenant enlever le navigateur et nous avons donc ici la fenêtre Connect qui représente cet outil. Vous retrouvez plusieurs raccourcis ici. On va passer en revue chacun de ces raccourcis, notamment toutes les fonctionnalités qu'ils comprennent. On va donc démarrer avec la partie News ici, que vous retrouvez tout en haut à gauche de cette fenêtre. Dans cette partie, vous allez pouvoir avoir accès à des analyses Trading Forex gratuites, mais aussi, par exemple, comme vous le voyez sur le premier article, on aura aussi des analyses sur l'or. Donc par exemple, si je clique tout simplement sur le premier article ici, on va avoir une page internet qui va venir s'ouvrir et qui va directement nous amener donc à un article d'analyse sur l'or avec ici un graphique. Vous pourrez ici donc ouvrir ce graphique pour le voir un peu plus en détail. Vous pourrez notamment lire cet article qui vous permettra de savoir où en est donc l'or pour être informé donc si c'est intéressant de trader l'or ou pas à ce moment précis et si vous avez une position en cours, pourquoi pas savoir un peu mieux comment la gérer. Donc on va voir que cette partie est totalement personnalisable. On va pouvoir ici sélectionner le type donc d'article qu'on souhaite voir apparaître dans cette partie. Donc si vous voulez par exemple des articles qui concernent donc la compagnie News, on va retrouver directement ici des news relatives donc à Admiral Markets. Ensuite, on va pouvoir ici cliquer sur Fundamental Analysis. On aura donc que des analyses fondamentales, par exemple ici sur une base hebdomadaire. Encore une fois, on clique ici et on va avoir la fenêtre donc, qui va venir s'ouvrir directement sur le site Admiral Markets donc avec l'article en question. On pourra mettre par exemple aussi principalement donc, des articles concernant les technical analyses, donc à savoir l'analyse technique. Donc vous pouvez décider de tous les laisser ou mettre uniquement ce que vous voulez, c'est totalement personnalisable. On va voir ici qu'on peut aussi rajouter des sources très intéressantes donc pour avoir plus d'informations sur les news et notamment sur les marchés avec notamment Reuters, CNN, FX Street ou encore Forex Factory et bien sûr Admiral Markets. Vous pouvez aussi donc ensuite ajouter donc des filtres. Donc ici, vous rentrez par exemple donc le nom de ce filtre et le texte, à savoir les mots-clés. Par exemple, si vous tapez BCE, vous pourrez avoir ici des filtres
rajoutées qui vont vous permettre d'avoir directement soit des analyses techniques relatives par exemple à l'euro-USD ou aussi des articles donc d'analyse fondamentale qui vont se concentrer sur les publications tournant autour de la BCE. Vous avez aussi ici la petite option donc d'avoir une alerte en fait à chaque nouvel article publié qui va arriver tout simplement sur votre plateforme de trading. Vous serez alerté à chaque nouvelle publication selon votre choix, selon le domaine qui vous intéresse. Donc ensuite, vous avez une partie où vous pouvez éditer bien sûr donc ces sources d'informations et vous aurez ensuite ici tout simplement la possibilité de les afficher pour par exemple seulement la dernière heure ou même la dernière journée, les trois derniers jours, voire la dernière semaine. Donc pour éviter bien évidemment d'avoir beaucoup d'articles en day trading au cours de la journée, vous pouvez décider de les afficher par exemple pour la dernière heure seulement, voire même la dernière demi-heure. Ensuite, une autre possibilité ici intéressante, c'est le Undock Window qui vous permet de détacher cette fenêtre de votre plateforme de trading MT5. Si je clique par exemple ici, vous voyez bien donc qu'on peut bouger la fenêtre Admiral Markets Connect. On peut la mettre notamment sur un deuxième écran et vous pourrez comme ça avoir vos graphiques de trading tout simplement en vue et vous pourrez ainsi mieux gérer donc votre trading au quotidien. Donc ici, on clique par exemple sur Redoc et vous voyez, on réintègre la plateforme MT5. Donc voici pour cette partie news qui concerne donc des articles d'analyse technique mais aussi d'analyse fondamentale qui sont très intéressants à lire et à avoir sous la main au quotidien. On a ensuite une partie ici avec le raccourci calendar qui va nous donner accès à un calendrier économique qu'on peut personnaliser avec ici par exemple tout simplement la date de notre choix. On pourra sélectionner le type d'importance de chaque nouvelle économique qu'on souhaite voir apparaître sur ce calendrier. Donc par exemple, si vous souhaitez trader uniquement soit les nouvelles économiques très importantes ou soit les trader après leur publication, vous pouvez tout simplement cliquer sur High Impact et vous aurez ici affiché dans ce calendrier économique personnalisable uniquement les nouvelles de fort impact. Et ainsi, vous n'aurez pas à les trier vous-même au regard de ce calendrier économique. Vous pourrez ensuite ici sélectionner donc la zone de temps. Donc, par exemple, si je clique ici, on va voir que la zone de temps, donc c'est-à-dire les heures qui sont affichées ici pour chacune de ces nouvelles économiques, est automatiquement basée sur l'heure de mon ordinateur, ce qui nous permet d'être directement à la bonne heure pour trader les marchés selon l'endroit où on se trouve. Et on va voir enfin une petite partie de cette section calendar, une partie intéressante, notamment la possibilité de générer ici par exemple des alertes. Si je clique sur la petite cloche, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre s'appelle Set Alarm. Ça va nous permettre de mettre en place, de programmer une alerte qui va venir donc nous informer. Par exemple, si je clique ici sur 5M, donc 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Donc par exemple, si on prend 5 minutes, ça va nous alerter 5 minutes avant l'événement, avant la publication de l'annonce économique. Et on va pouvoir ici donc avoir un rappel donc de la nouvelle économique en question. On aura la date et l'heure de publication. On peut cliquer sur cette alarme et on aura donc mis en place cette alarme pour la nouvelle économique de notre choix. Donc si je me rends maintenant dans le raccourci ici Facebook, un simple clic me permet d'ouvrir directement une page internet qui nous amène à la page donc Facebook de Admiral Markets pour voir toutes les dernières publications et voir donc notamment les dernières nouvelles à propos donc de Admiral Markets, comme par exemple les publications au quotidien avec des vidéos sur YouTube, bonjour CAC 40 et DAX 30, qui sont des analyses au quotidien, des analyses des marchés tous les jours à 9h du matin. Ensuite, la partie Deposit Withdraw qui va nous permettre en fait d'accéder directement au site internet Admiral Markets. Et une fois que vous aurez rempli donc votre mail et votre mot de passe, vous serez directement sur votre compte de trading MT5 sur les fonds donc disponibles. Donc vous pourrez à la fois rajouter des fonds ou tout simplement retirer des fonds de votre compte de trading MT5 via ce lien qui se trouve donc directement sur l'Expert Advisor Admiral Connect. On va ensuite voir ensemble la partie Trade Analysis qui va vraiment correspondre à la partie assistance aussi donc
de votre trading puisque ça va faire tous les calculs d'analyse de statistiques de votre compte de trading MT5, à savoir par exemple les gains réalisés sur certaines périodes de temps. Donc ici, on va retrouver des données à propos de votre compte comme la balance, l'equity, ici le floating PNL, les profits donc clôturés, la marge libre. Et on aura par exemple un rappel donc du libellé de votre compte, ici c'est en euros, du type de votre compte, ici c'est un compte de démonstration. Et on aura des statistiques, par exemple le retour total sur investissement. On aura ensuite donc les gains réalisés ou pertes, bien sûr réalisés donc en moyenne par mois, par semaine. On aura ensuite ici le drawdown maximum du compte de trading. On aura ensuite ici le taux par exemple de bonnes positions réalisées, le profit factor, la durée donc la plus longue de trade que vous avez pris et ensuite par exemple le nombre de trades réalisés par jour. Vous aurez ensuite ici deux emplacements graphiques qui vont vous permettre d'afficher des données que vous allez sélectionner dans cet emplacement. Ici vous retrouvez véritablement une multitude de choix, donc vous pouvez afficher en fonction de votre balance avec par exemple le cumul des profits, les profits sur une base journalière, sur une base hebdomadaire ou encore mensuelle. Vous pouvez sélectionner la partie equity pour avoir véritablement donc un graphique qui se concentre sur votre equity ou aussi sur les pourcentages donc de retour d'investissement, de retour de profit sur votre compte de trading MT5. Encore, vous pourrez afficher un graphique qui va représenter donc le profit facteur, son évolution au cours des trades que vous avez pris. Vous pourrez aussi donc bien sûr sélectionner en fonction des symboles, en fonction donc de plusieurs paramètres, par exemple les heures de la journée ou les jours de la semaine, ce qui peut vous permettre par exemple d'analyser votre meilleure journée au cours d'une semaine et même vos meilleures heures au cours d'une journée, pourquoi pas de cette même journée, donc au cours de la même semaine, afin pourquoi pas de faire évoluer votre stratégie dans le bon sens, à savoir trader des moments particuliers de marché où vous savez, grâce à ces analyses, que votre stratégie est profitable, plus profitable que le reste du temps. Vous retrouvez ici une partie filtre. Vous pouvez rajouter donc un filtre en fonction donc du temps. Par exemple, si on souhaite ces analyses statistiques et graphiques seulement donc sur la semaine actuelle ou encore la semaine précédente. Vous pourrez ensuite donc décider des dates exactes de début et de fin de ces analyses et ainsi que le symbole, par exemple, si vous voulez voir ces statistiques uniquement pour la paire Euro-USD, pour le Forex ou encore le DAX 30 pour les indices boursiers, vous pourrez ici les sélectionner et les rajouter en tant que filtre afin d'avoir des analyses donc statistiques vraiment centrées sur ce que vous voulez savoir sur les produits qui vous intéressent. C'est très pratique, notamment si vous avez plusieurs stratégies de trading sur un même compte, vous allez pouvoir dire « je souhaite avoir donc mes statistiques uniquement sur le DAX 30 car c'est une stratégie à part entière, mais je pourrais quand même avoir donc ces statistiques même si sur ce même compte je trade tout simplement plusieurs stratégies ». On aura ensuite la partie donc « analysis » qui fait suite à la partie « overview » où on va retrouver donc ici la plupart des ordres ici donc avec les profits, les pertes, et toutes les informations relatives à ces positions, ainsi que dans la partie order, où vous retrouvez le numéro donc, de la position. Donc si c'était une position à l'achat, à la vente, vous retrouvez tous les détails, avec par exemple s'il y a eu une commission, s'il y a eu un swap, ou aussi donc la durée de cette position. Vous pourrez ainsi mieux analyser donc tout votre trading, toute votre position réalisée sur votre compte MT5. Enfin, on va passer maintenant au raccourci autochartiste, qui va vous proposer des scénarios de trading en fonction de votre profil. Alors pourquoi en fonction de votre profil? Tout simplement parce que vous retrouvez ici dans la partie 7 minimum percentage probability, vous retrouvez ici le choix entre 60, 65, 70, 75 et 80%. Donc si vous êtes très conservateur, vous allez pouvoir cliquer ici sur 80% et on va avoir ici des propositions, donc des opportunités de trading directement filtrées pour un profil donc de taux de réussite d'environ 80%. Donc c'est véritablement des opportunités de trading qui sont très intéressantes puisqu'on a un taux de réussite du scénario relativement élevé. On va ensuite pouvoir par exemple aller dans les 70%, on aura bien évidemment d'autres types de scénarios. Si on descend dans les 60%, on aura bien évidemment plus d'occasions qui se présentent. Donc à chaque occasion, vous retrouvez ici par exemple un objectif
théorique donnée à partir du niveau où l'expert advisor Admiral Markets a produit ici cette analyse et ce signal de trading. Enfin, nous avons la partie Market Report où il vous suffit ici donc de vous inscrire pour recevoir 3 fois par jour avant les ouvertures de bourse un rapport qui va résumer l'état actuel donc des marchés boursiers et des marchés financiers avant donc l'ouverture à la fois de la bourse de Tokyo, de Londres et de New York pour que vous soyez au courant de l'état actuel du marché avant de prendre vos décisions de trading. Enfin, dernière partie, dernier raccourci de cet Expert Advisor Admiral Connect, le heatmap. Donc ce heatmap, ça va vous permettre de voir très rapidement les grands mouvements de la journée, donc que ce soit des actions, que ce soit des crypto-monnaies, que ce soit des paires de forex ou encore des indices boursiers et des matières premières. Ici, vous retrouvez très rapidement les produits qui ont le plus bougé, par exemple ici dans le Top Mover Today, donc c'est les produits qui ont le plus bougé sur la journée actuelle. Vous retrouvez ensuite ici par exemple sur les dernières 24 heures et notamment ici sur la journée précédente. Vous retrouvez ici par exemple les crypto-monnaies qui bougent en ce moment pas mal. Du côté positif pour le Litecoin, l'Ethereum, vous retrouvez ensuite des analyses, des mouvements donc des produits en fonction des ranges de la journée, des ranges de la journée précédente et sur notamment des périodes de temps des dernières 48 heures. Et on retrouve d'autres analyses ici, des mouvements en fonction donc des paires de devises. Avant d'avoir ici la liste complète des instruments que vous pouvez trader sur un compte Admiral Markets MT5 et notamment la possibilité donc de les ranger en fonction des critères de votre choix. Par exemple, ici, ce sera les données donc de la journée, ici les données des 24 dernières heures et vous pouvez à chaque fois les ranger en fonction donc du range, en fonction des points bas, des points hauts ou du pourcentage donc de variation au cours de cette période. Donc c'est un outil très intéressant qui peut vous permettre d'identifier des occasions de trading en fonction des mouvements réalisés. Par exemple, vous pouvez attendre de voir un fort mouvement à la baisse ici sur un des produits pour décider d'avoir peut-être une opportunité de trading à l'achat puisqu'on aura eu une grosse séance à la baisse sur ce produit. Pourquoi pas trouver des opportunités pour acheter ce produit. Cette liste d'instruments vous permet d'identifier très rapidement ce type de setup. Donc, toujours grâce à notre outil d'assistance au trading Admiral Connect. Donc, comme vous l'avez vu, cet outil vous assiste véritablement au quotidien entre la partie donc, d'analyse technique et fondamentale fournie de manière gratuite avec un calendrier personnalisable où vous pouvez avoir donc, des alertes de trading sur le marché Forex. Vous retrouvez donc des opportunités aussi de trading et ainsi que un outil très puissant qui va vous permettre d'analyser votre propre compte de trading MT5, ce qui veut bien évidemment sous-entendre donc votre stratégie de trading. Vous pourrez améliorer vos résultats si vous étudiez bien donc ces statistiques au quotidien. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. En attendant, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, pour apprendre le trading, suivez notre chaîne YouTube.